Eh bien, yo les potes, c'est Keys. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau tutoriel. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire un tank. Donc, le tank, c'est pas n'importe quel tank. Déjà, il va tirer. C'est déjà fort, ça. J'ai un petit tour pour vous montrer. Une petite démo du canon. Le canon, hop. Donc, en fait, c'est un commande bloc. Merde, c'est un commande bloc. Qui envoie une TNT et boum, ça fait un trou. Donc voilà, de quoi passer à la construction directement. Donc pour les chaînes, il faut. Bon, je vous montre en face. Donc je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc en diagonale comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Après ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, pour les escaliers, donc vous faites 1 comme ça. Et en face, 1 comme ça. Et en face, donc les escaliers en pierre taillée. Et vous faites ça 4 fois pour obtenir 4 trous. Faut mettre la vidéo en pause évidemment si je vais trop vite. Donc après on monte de 1. Ça va faire 2 de hauteur. Voilà. On fait le tour. On monte de 1. Ça en monte de 2, voilà, ça fait 4. Après hop, et là on met les échelles, j'ai oublié la trappe, hop là, voilà, mais au-dessus des échelles, et là hop, on peut rentrer. Ensuite on fait ça par terre, les échelles. Donc ici, on remplit les côtés, ça va dégueulasse. Après on fait les trous comme ça. On reste tout seul. On enlève les côtés aussi. Pour enlever. Hop, on remplit le côté. Et après ici on met les dalles. Bon, normal que je me fais un peu, je vais un peu trop vite. Histoire de gagner du temps. Hop, donc voilà. Donc ici on peut refermer, je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça du tout. C'est dehors, faut faire ça. Ah si, c'est comme ça, je crois. Oui, c'est bien ça. Pas que je me fais évidemment. Comme pour le canon, faites une dalle de ce côté, une de ce côté et une dalle en haut. Vous pouvez vous allonger de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 c'est juste bien, je trouve. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un ancien tuto pour savoir comment faire une moto. Donc je mettrai le sous la description évidemment. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour. Après cette vidéo évidemment. Regardez un peu jusqu'à la fin. Donc voilà, on a quasiment fini. On y reste le système à l'intérieur. Donc là on ferme comme ça. Hop. Hop. Donc voilà. Après on peut rajouter un peu de lumière quand même parce que on voit vraiment rien. On peut enlever la trappe. On met des lumières là. Et là, ça rend vraiment cool avec les shaders, je trouve. Donc on peut marquer canon, on peut marquer n'importe quoi, de toute façon, on s'en fiche. Donc là, on va aller repérer les coordonnées. Donc on va voir où on tire. Par exemple, je veux tirer à 1 km, je peux, pas de problème. On va tirer ici, c'est fou. Donc là, on regarde où c'est marqué bloc. Et donc là, je repère 387, 237, 551. 851, je dis n'importe quoi. Donc là, on fait. Non, on va faire plutôt dans le commande bloc. On va prendre les coordonnées en copier-coller. Donc je fais CTRL-A, CTRL-C. CTRL-A c'est pour sélectionner, CTRL-C c'est pour copier. Ensuite,
on met le commande bloc, derrière le bouton évidemment, sinon ça ne demande pas. Donc on fait slash summon. Donc ça c'est pour invoquer une entité. On va Minecraft.tnt. Ensuite espace. Et on met les coordonnées. Là je fais CTRL V pour coller. Hop, on a les coordonnées. Il n'y a plus qu'à appuyer. Et là on entend un boom. Et ça a bien éclaté à l'endroit où on voulait. Donc après je peux tirer même plus bas dans le sol. Comme j'ai envie, je peux tirer n'importe où. Par contre, s'il y a une cible devant, ça va pas aller. Je vais mettre 215. S'il y a une cible devant, ça changera rien. Ça change rien du tout. Donc là, normalement, j'ai éclaté plus bas. Bah merde. Oh, j'ai tiré un peu trop bas là. Oh. Je sais même pas où j'ai tiré. J'ai tiré. Ok. Je sais pas où j'ai tiré. D'accord. Hop. 215. 215. Ah non, pas 215. Alors, voyons voir. 215. Ah, c'est ici. Ouais, c'est une petite explosion parce que c'est de la cobblestone quand même. C'est pas rien. Donc voilà, vous avez un tank fonctionnel qui peut tirer la TNT. C'est pas mal. Bon, par contre, si une cible devant, ça change rien. Puisque la TNT, elle est directement invoquée là-bas. Je vais vous montrer la commande, tiens. Bon, je vais casser le canon pour aller plus vite. Hop, hop. Donc là, ce que ça fait, en fait, ça invoque une TNT. Pas 1215, merde. Hop, je vais mettre 260 pour qu'on voit bien. C'est où ça roule? C'est une TNT invoquée en l'air. Alors 250, encore trop bas. 240, je vois bien, c'est une TNT qui explose par terre. Quoi. Donc voilà, elle est juste spawnée directement ici. Elle fait pas la trajectoire du canon jusqu'à là. Après, vous allez faire un canon à TNT ou je sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce serait quoi le mieux, si je fasse une TNT directement ou un canon à TNT. Je pourrais faire un canon TNT, ça existe la commande du canon à TNT. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Sur le tutoriel, sur quoi je pourrais faire un tutoriel évidemment. Donc voilà, si ça vous a plu ce tutoriel, mettez un like. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, évidemment. Mettez un commentaire pour dire votre avis par rapport à ce temps. Et allez voir ce tutoriel sur les motos, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Bon, j'arrive pas à parler. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis ciao les potos.